And the missing guy, Guy, is watching the tractors outside the building. So I'll have, I can invite you to go there after this press meeting and take some photos. We haven't blocked Brussels yet, but as I said, we have a couple of tractors out there just to show you that it could be possible. And by giving our position paper to the general director from DB Agri later on after the press meeting, we just hope in good faith that they will understand we mean this, we mean business. I'll just walk you through the position of European Milkport. If I can get this to move. Yes. European Milkport is an umbrella organization. It consists of 21 organizations from 16 countries, as shown on the board here. You can see that we are quite well represented from the 20 in the east to Ireland in the west, and from Norway in north to Spain. So we are quite covering the European Unions and outside it too. This way. As you can see, there has been a lot of protests going on across Europe. It has not had the same reason. The protests in Lithuania has a lot to do that with wetlands, permanent grass. In Germany, where the biggest demonstrations have been, is a question of taxes. In the Netherlands, they have been demonstrating now almost the last 2 years. It has a lot to do with the nitrogen. France is now getting ready to make big tractor demonstration also. Veronique will address that later, but it also has something to do with taxes. But all in all, it's just the last drop. It's an underlying problem. It has to do with the livelihoods. It has to do with that you do not get a decent income from what you are doing. So what is happening spread out of Europe, if you look at it just single, then you'll see very different reasons to demonstrate, but the underlying problem is the same everywhere. Lack of money and a huge deficit, and it has been so for many years. As you can see, we have had quite a few milk crises through the years. The worst one was 2009, but the ones I think everyone from the press and we remember is when the quota was abolished in 2015, where the prices really went down below the board. And if you remember, we also sent out pictures. We visited a store where they have been stacking up powder milk. They did four rounds of buying in powder milk, and it equals almost when they stopped buying, then the store of powder milk was equal to the production of milk in 1 year in Denmark, 5 billion liters. At that time, they realized they had to do something else, and luckily, years before, European Milkport have been trying to get a scheme in the Milk Responsibility Program, and part of that is to buy out production. We do not want production to the cow to be milked, the milk to be delivered or picked up by the dairy. It goes through the system and it ends up as powder. We want this to stop at the cow. So if there's too much milk, it should not come to the market.
And this is what they did in 2016 after they had these four rounds of buying up powder milk. They paid out farmers to stop producing. It was a scheme, maybe even the fastest scheme ever in the European history. It was decided in July, and it had to work from the 1st of September the same year. And it has to be implemented in all countries. This normally wouldn't be possible in 3 months to make such a huge scheme. But everyone did that, every country did that, and every country fulfilled almost the scheme. Even a country like Ireland, who wanted to produce more milk and had this as a goal, also participated. So all in all, there was 1 billion liters taken out of the market. 1 billion liters out of 160 billion liters, that's the annual production of milk in Europe. It's not a lot, but it has a lot to do with the psychology in this. People buying were just waiting because they knew there was a lot of powder milk in store, so price would just be dropping. But then they realized now the farmers do not want to produce anymore. Then the price will go up, and at the same second people start buying. And when you start buying, everyone gets afraid that they wouldn't get the best price, so the price would start raising. It's common sense and normal in the market. But thank God that we already, years before that, EMB had given this possibility, and it was adopted in the CAP reform back in these days. So what do we need? We need fundamental market reforms. We do not want subsidies, because subsidies do not give us a reason to, or enough to live from. We believe in that what we do and the milk we are producing has to pay for the production. So we want this milk market responsibility program. You have all got it in your handouts, and this is what we are asking for. Then we also want then we also want fair contracts. And one of the things we need to see is that the instruments in the CAP is working, and one of these things is the Article 148, where where it says that we have to have fixed prices and quantities. It's really crazy that still is possible dealing with so large quantities of milk that we do not get a fixed price on this and a volume. Today everyone selling milk is just delivering the milk and then they hope to get some money. It would be like ordering a new kitchen, and then after that the guy you sold it to would say, I think you should have this for the kitchen. I do not think that's the way it works. I think you put the price when you're selling. This is not the way it's done in the milk market. We are price takers. We get a price, do not give a price and get the cost covering price that we really need. Let's see how far we've got in the program here. Yes, and then we get to free trade agreements.
We are not against free trade, but we are against that every free trade program, the latest that's on its way, Mercosur, is a question of appealing, but when it comes to ending the contract, then it always ends up with a discussion on how much milk, how much beef, how much chicken, how much pig can you sell into each country. So with the Mercosur, we have to take in 100,000 tons of pig meat, 100,000 tons of milk products, and equal on beef. We do not need any of these products in Europe, so why should we get them in? It's crazy. It has nothing to do with free trade. It's just a way of eagering out in the last way for people sitting in glassy offices. So we have to have free trade, but it has to be also equal, so we can live from what we're producing and we're not ending up getting all our products from anywhere else in the world. So we can just start to follow up on. So we need to have prices above cost, and it means that when I show the cost of production, and European Milk Board, we do this in all nearly all our members country, we make a study each year on the cost of production, so we can show exactly what the price would be if it had to cost to cover all costs. Then it should be that when our products is sold on from the dairy, it should also be cost covering. So we've seen that in Spain, they made a law regarding this, that farm products has to be cost covering in all parts of the value chain. So from farmer to consumer, each step has to be cost covering. This is also a way and something we ask for. they could, in Spain, if they are looking at it on farm level, we believe it's too difficult to do it like this, so we need an agency that look at it on European level. Of course, each country, and you have to have mountain regions where it's more costly to produce, it has to be your cost-covering price, but maybe done in regions. And one of the main things when we look at all these types of measures, then it has to apply to cooperatives. Mostly cooperatives is taken out of the papers. When you look at it, it's one of the problems with the 148 that it does not apply to the co-ops. So this is what we are asking for. The law has to apply, all laws have to apply to the co-ops also. Then they say, yeah, but you are owning them, yes. And it does work. Co-ops does work when they are small. But with the very, very big co-ops we are seeing today, even co-ops that's not just in one country, but in a lot of countries, then this needs to apply to them also. That you, as a co-op member, can get a contract that has a fixed price and volume. This is totally unacceptable that it does not apply to the co-ops as it is today. So, cost covering, fair
fair products. It's not just for us as farmers in Europe, but also for farmers in other parts of the world. Certainly also for farmers in Africa, because if we are dumping our products on their markets, and firstly we are producing below cost, and then it's sold off even cheaper, and then you ruin the African farmers' market because they cannot compete on these prices. We have shown throughout Europe that it's possible to have a fair product. You might know it here from Belgium, fair milk, fair France, fair milk in other countries, as you see on the board. And also these fair schemes with the cow on it, you see it everywhere, is also in a few African countries. So, ending up, we need market reforms, we need market reforms, and we need market reforms. This is the main statement from the European Milk Board, regardless of it looks like it's different problems in the countries, the problem underlying is the same. We do not have a cost-covering price. Thank you for my part here, and now I'll turn over to Berin, and she will continue, I think, to do it in French. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hop, c'est mieux. Alors, je vais vous parler un peu de notre journée de protestation de demain, qui sera une journée nationale. Mais déjà replacer cette journée dans le contexte que vient d'écrire Artiane, un déficit de revenus dans nos exploitations, un déficit surtout de trésorerie, parce que, comme chaque année en France, nous avons la publication par l'INSEE, qui fournit nos statistiques économiques, la publication des résultats. Cette année encore, pour les chiffres 2023, ils sont annoncés à la hausse, alors même que dans nos trésoreries, ce n'est pas comme cela que ça se traduit. Et pour la simple bonne raison que nous avons, chez nous en France et certainement ailleurs, une fiscalité, une façon de comptabiliser nos résultats qui inclut nos variations de stock, même si ça existe ailleurs, mais nos bovins, chez nous en France, subissent, diminuent, quittent nos fermes année après année. On est en pleine décapitalisation de cheptel depuis bientôt la cinquième année. Cette décapitalisation, même si elle se traduit en nombre, en valeur sur nos bilans, elle est positive. Et de ce fait, on trouve des résultats qui s'améliorent. Certes, nous avons eu de meilleurs cours de la viande, un peu du lait, mais les chiffres disent bien ce qu'ils veulent dire. Nous avons des indices qui sont suivis, l'IPAMPA en France pour nos coûts de production et l'IPAP pour les prix de vente de nos produits. On ne peut pas les comparer si on ne les ramène pas au même indice à la même année. Or, si nous les ramenons à l'indice 100 en 2020, en 2023, nous sommes exactement à 132,18 pour l'un et 132,53 pour l'autre. Nous avons une loi qui a été mise en place en France, qui a été travaillée depuis 2018 avec de nombreuses réunions, de nombreux échanges pour aboutir à cette loi Egalim, version 1, version 2, version 3, une loi qui était censée couvrir nos coûts de production. Et aujourd'hui, nous voyons que cette loi est sans effet, alors même que certains voudraient faire passer la hausse des prix comme étant le résultat de cette loi, du moins en partie. Or, comme je viens de vous le dire, la hausse des prix n'est que la même que celle de nos charges. Et aujourd'hui, si nous sommes en France dans la rue,
à la coordination rurale. Les premiers blocages ont démarré ce lundi dans les régions du Sud, parce que vous avez vu que la semaine passée, un mouvement asyndical qui regroupe des personnes de partout, des non-syndiqués et des trois syndicaux autres, se sont retrouvés sur les routes pour dire que l'agriculture n'est plus viable, n'est plus vivable et n'est plus transmissible. Et c'est à cause de ça qu'on est aujourd'hui avec ce déclin, un déclin qui se traduit, selon nos ministères, non pas par une baisse de production, parce qu'a priori, on ne la constate pas, mais en tout cas, la baisse, elle est effective, et là où ils sont plutôt dans le mensonge, c'est qu'elle est aussi dans les valeurs. Parce que la France, grand pays producteur soit-elle, ou soit-il, parce que c'est un pays, est aujourd'hui en déclin. En déclin par rapport à sa balance commerciale. Les vins continuent à s'exporter, la balance est toujours positive, et Dieu merci, heureusement qu'elle est là. La balance laitière, qui était il y a quelques années à positive de plus de 4 milliards d'euros, est descendue à 2 milliards pour remonter à 3 milliards, mais cette augmentation n'est due qu'à l'effet prix. La balance qui était enfin positive en céréales, elle aussi est sur le déclin, avec un effet ciseau pour 2023. Des prix en baisse de plus de 20%, des charges en hausse d'autant. Donc voilà la situation de la France, une France qui reste positive grâce à secteurs vins et spiritueux, produits laitiers, produits céréaliers, mais qui s'enfonce par le secteur des viandes, aujourd'hui largement déficitaire de 6 milliards d'euros. Et ça, c'est ce qui attend partout nos agricultures en Europe. Parce que nous avons dû cette Europe, cette politique agricole commune, pour une préférence communautaire. Et nous, la France, nous sommes aujourd'hui menacés par les échanges intra-européens. Parce que depuis 2014, la balance commerciale agricole agroalimentaire avec les pays européens est passée de 2,5 milliards d'euros à aujourd'hui moins 2,5 milliards d'euros. Donc, nous sommes entre collègues amenés à nous entretuer. On voudrait ne pas réguler les productions, contrairement à ce que défend depuis toujours l'EMB. Et c'est pour ça que nous sommes à leur côté. C'est parce que nous voulons ce système de régulation des productions. Nous voulons un système qui marche, qui aurait pu être celui d'Egalim, mais Egalim, cette loi française qui s'appuie sur des indices de coûts de production, mais basée sur, non pas les études que vous ont présentées Katiane, des études fiables, basées sur de gros effectifs, de gros échantillons, représentatifs. En France, nos échantillons sont encore ceux des fermes de référence, des fermes dites de référence, des fermes qui ont été choisies dans les années 90. Ces fermes sont toutes amorties. Ces fermes n'ont pas les coûts de production, de reprise que doivent supporter nos jeunes. Et c'est tout ça qui met en péril l'avenir de notre agriculture. On ne peut pas faire croire à nos jeunes que l'agriculture c'est un pari, qu'on doit y aller en fermant les yeux. Alors aujourd'hui, ce ras-le-bol, il est celui du résultat de cette politique d'absence de prix, d'absence de revenus, contrairement à ce qu'ont toujours cru nos politiques. Des politiques qui voient dans les agriculteurs une population à part, une population qui palpe des capitaux, une population qui travaillent beaucoup, mais ça c'est pas grave, à la rigueur, ils s'en foutent. Et aujourd'hui, s'ils ne prennent pas à la hauteur la mesure du problème, je crains du moins chez nous des débordements. Le salon d'agriculture arrive, je ne sais pas si nous maintiendrons nos troupes, parce que autour de nous, nous avons des soutiens, cette révolte elle est grande, et
l'ETP, donc les travaux publics, les entreprises de travaux agricoles, tous les secteurs que nous faisons, nous autres, vivre, parce que quand l'agriculture va, tout va, le bâtiment va, les vendeurs de matériel vont bien. Sauf que voilà, il y a un gros problème. Il y a un problème dans la détermination des prix. Kertian l'a bien souligné. En France, nous avons aussi rencontré ce problème quand nous discutions la loi Egalim. C'était encore un traitement de faveur qui était accordé à nos sociétés coopératives. Et je dis bien qu'on ne doit pas parler de coopératives tout court. On doit bien parler de sociétés coopératives agricoles. Parce que chez nous, en France, elles croivent... Je ne sais pas si elles croivent, je ne sais même pas si elles savent ce qu'elles font, mais en tout cas, elles sont parties dans une logique qui est aussi celle du secteur privé. C'est-à-dire de se développer en achetant une marchandise, une matière première agricole pas chère, et en essayant de faire du business, du chiffre d'affaires, qui se fait non pas au sein même de la coopérative, mais au sein des filiales qui dépendent de holdings. Et là, le résultat ne revient pas dans nos poches à nous autres agriculteurs. Et là, on voit ce développement qui se fait à l'international, comme les entreprises privées. Est-ce bien là leur rôle? Donc voilà, le problème, il est général en France. Il touche toutes les productions, parce que le secteur laitier, comme les autres productions, on vit avec la nature, on subit les crises sanitaires. Alors chez nous, les aviaires, la MHE, c'est pour ça que dans le sud de la France, ils sont bien avant nous sur les routes, parce qu'il y avait déjà la sécheresse et les problèmes de déproduction, sans même tenir compte de toutes les normes qui nous sont imposées, et les tempêtes, les inondations, et l'absence de prix, l'absence de perspective, et heureuse aujourd'hui de représenter la coordination rurale auprès de l'EMB, avec l'EMB, parce que c'est ce combat de régulation, c'est ce combat d'Europe recentrée sur une préférence communautaire, une Europe soustraite des accords de l'OMC, une Europe qui cesse de signer des accords de libre-échange. Il a parlé du Mercosur et de tous ces produits qui pourraient venir nous inonder sans respecter nos normes environnementales ni sanitaires. Donc c'est cette Europe qui doit être revue, et c'est bien tous ensemble que nous y parviendrons. Donc voilà, je pourrais répondre aussi à vos questions. Merci. Yes, thank you. That was the situation in France. As we say in European reports, you can make a lot of money in the business as long as you're not a farmer. We'll just go on to the next speaker, Roberto. Will you give us just a quick update on what's going on in Italy? Bonjour, bonjour a tous. Merci, Chiara. Je dis que la situation en Italie, c'est Véronique a expliqué en ce moment bien ce qui passe en France, et je crois que je peux signer complètement ce que la situation en Italie, c'est comme la France, mais vous voyez qu'en ce jour, en ces semaines, l'Europe est en guerre. Les agriculteurs européens sont à la guerre contre la Commission, contre les règles fous que la Commission a continué à faire plusieurs des années. En Italie, en ce moment, on a commencé des manifestations cette semaine, des groupes, on a commencé dans le centre de l'Italie, quelques groupes dans le nord hier, mais nous pensons que le jour, le 30 de janvier, peut être un jour national des manifestations dans le sud, à le nord d'Italie, pour commencer une action qui va continuer plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à dire que
la situation avec cette règle, avec le Green Deal. C'est un système qui ne peut pas tenir, c'est un système fou, c'est un système qui va le changer. En Italie, comme dans le reste d'Europe, les coûts de production continuent à augmenter tous les jours et le prix payé à les agriculteurs sont fermés de 1990. C'est plusieurs des 30 années qui sont fermées, les prix à les agriculteurs, mais les coûts de production continuent à augmenter tous les jours et comme a dit bien Véronique, comme a expliqué le président Piatan, c'est un message qui doit arriver à la Commission que le temps c'est fini. Les agriculteurs, comme la population européenne, est en ce moment très 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 en difficulté. Et les dates et la situation des agriculteurs, c'est une situation qui va péjorer tous les jours. En Italie, nous avons un premier qui c'est l'étage des agriculteurs. C'est un système qui, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas rester dans l'agriculture parce que la situation, ce n'est pas sostenible. Nous avons une population d'agricoles vieux. Le médium, c'est plus de 75 ans. Et ça, c'est un message très grave pour la Commission, pour le Parlement. Nous espérons un changement radical de la politique européenne, comme a expliqué bien Piatan. Les Italiens vont s'unir à les manifestations qui ont commencé en Allemagne, qui en ce jour commence en France, mais je crois que nous avons des informations sur la Belgique, sur l'Espagne, sur les autres pays, parce que c'est un problème transversal, c'est un problème qui a bien été expliqué. Je reste à votre disposition pour quelques questions. Merci. Thank you, Roberto. Now it's your turn. Now we will gladly take your questions and hope we can answer. Thank you very much, Mr. Bayo. So from the Vice newspaper from Spain. You've said there are many reasons for the problems you're having. You've mentioned the Green Deal, but you've mentioned also the Mercosur and other. So there's also, if I understand properly, there are also a lot of reasons for you to come to Europe. But on the what would you define as your priorities that has to change besides the Mercosur and other paths? But on the Green Deal, what are your problems with the Green Deal? What is exactly not working? Because on the other side, many of the politics, that's what Europe argues, is that, I mean, climate change is happening, and you are the first victims of the climate change. So it's kind of a vicious circle where you need to stop the climate change. You have to fight against the climate change in order to be able to keep producing. So how do you do that? That's the question first. And second question, if I may, there are worries that your protests are falling into the hands of the messages that's coming to the far right, which is they're using your protest ahead of the elections. You are going also today to a Hungarian think tank, which is also quite anti-European politics. How do you feel about that? Or do you agree that this message is being more defended by certain political parties?
Yes, I think I can answer on the first part, and then I'll leave the second to Veronica. We're not against it. Certainly we're not. As you said rightly, we're the first ones to be hit by the climate change. But at the same time, we cannot cover the costs that the Green Deal applies on us. So then it turns back to what is the main goal. The main goal of this press also is to get cost-covering prices, also for the cuts that will come together with the Green Deal. And it's quite simple. Most of it is just a question of words in the CAP, in the Common Agricultural Policy. It just have to apply for co-ops, and it has to be underlined in the papers. Then most of it would, in the milk market, would be quite forward, because then we would have prices, fixed prices, and amounts. So you know what you get before you start milking. I'll leave the next two minutes. Alors, si je peux me permettre de compléter, comme a dit Kertian, nous ne sommes pas contre le Green Deal, le pacte vert, mais la définition des objectifs nous paraissent très ambitieux. La position de la, par exemple, des réductions de l'usage des produits phytosanitaires de 50% n'est envisageable que s'il y a des solutions alternatives. Nous ne pouvons pas diminuer, rentrer en décroissance pour qu'en parallèle on laisse rentrer des produits ne respectant pas nos normes du fait de la signature d'accords de libre-échange. Ça, c'est de la pollution. C'est tous ces échanges, ça participe au gaz à effet de serre et ce n'est pas une balance. Si nous devons délocaliser notre production pour peu qu'on en ait encore à exporter et qu'on en importe, mais ce sont des gaz à effet de serre qui s'accumulent. On ne peut pas nous demander cet effort pour la transition écologique alors même qu'eux prennent des décisions à l'inverse. Les décisions en faveur du bio, avoir 25% de surface en bio en Europe, oui, c'est louable, mais à condition que, quelles que soient les productions, et pas que le lait, les coûts de production soient couverts, qu'il y ait une offre en adéquation avec la demande. C'est ça le souci. Et le souci, nous autres producteurs, de rentrer dans cette décroissance, de retirer nos terres même de la production, demain, s'il faut faire marche arrière, je ne sais pas s'il ne sera pas trop tard. Parce que la politique européenne, c'est aussi différentes directives, directives habitat, directives oiseaux, la protection de nombreuses espèces qui, en France, mais certainement ailleurs, viennent menacer nos productions, que ce soit par le loup, que ce soit par les vautours, que ce soit par les choucas. Nous sommes abandonnés. Nous ne sommes pas contre l'éradication des espèces, mais nous sommes pour une agriculture qui garde sa place et qui ne se sent pas abandonnée parce que, à un moment, comme vous l'avez peut-être entendu, mais vous ne le savez peut-être pas, chez nous, les pêcheurs dans le golfe de Gascogne sont mis à l'arrêt déjà un mois pour commencer parce qu'il faut laisser les dauphins proliférer et manger le poisson. Ok, mais à un moment, il faudra choisir. Nous, nos bestiaux, on n'a pas envie qu'ils finissent tous attaqués par les loups. Donc voilà les contradictions un peu de l'Europe, à la fois ultralibérale et avec une politique écologiste certainement trop avancée et non en adéquation avec ce qu'on peut faire sur le terrain parce que les solutions alternatives ne sont pas là. Pour la deuxième question, par rapport aux politiques, nous, la coordination rurale, nous sommes apolitiques, apartisans, ça fait partie de nos statuts. On connaît très bien le message qu'ils veulent récupérer.
on aimerait quand même que tous les propos, quand ils vont dans notre sens, soient sincères déjà. Et le jour où ces personnes, parce que même l'équipe à Macron, tout cela nous ont promis une politique agricole favorable avec une loi d'orientation agricole et qu'on attend toujours. Les politiques sont tous les mêmes, hein, qu'ils soient de droite ou de gauche. Hein. On leur fait de nombreuses propositions, ils nous entendent et après il faut venir et revenir et on attend toujours les résultats. Donc je pense que cet après-midi, ils devraient être là de tous bords hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a une échéance importante avec les élections européennes et certainement qu'on entendra un message favorable de tous les partis et même des écologistes, hein, peut-être. Hein. Sauf à ce qu'ils nous disent que non, non, ils maintiennent leur position, il faut rentrer en décroissance et que finalement, les importations compenseront ce qu'on ne produira plus. Ce qui n'est pas cohérent parce que si l'on veut protéger nos marchés, on a cette régulation de la production, mais comment on maintient une régulation si on fait rentrer des produits en concurrence? Donc encore une contradiction. Oui, peut-être une petite ajout de ma part par rapport au Green Deal. C'est-à-dire que M. Timmermans, maintenant aujourd'hui, est désavoué, mais le fait d'avoir mis en place de la fourche à la fourchette, il ne faut pas croire que les agriculteurs sont insensibles par rapport à ça. Et je crois que si on laisse vraiment faire les agriculteurs, aujourd'hui, il y a des résultats très probants qui sont déjà en cours. Pourquoi? Parce que déjà, quand je prends déjà beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà dans la notion du non-labour, donc c'est déjà des problèmes d'érosion des sols en moins. Et après, quand on a bien compris que la charrue n'était plus nécessaire dans une exploitation, alors on s'attaque aux ACS, donc c'est vraiment la conservation dans les sols. Et ça, aujourd'hui, il y a des ASBL mémorologiques qui nous aident, ou génotech ou quoi, où il y a beaucoup d'agriculteurs qui y adhèrent et on met des couvertures de sol en hiver pour pouvoir justement récupérer l'NPK, pour pouvoir déjà de l'engrais dans le sol, pour pouvoir produire la culture suivante. Donc si on laisse faire les agriculteurs, moi je crois qu'on peut aller vers une agriculture raisonnée et raisonnable. C'est pas pour ça qu'on doit vraiment peut-être verser tout à fait dans le bio, mais si les gens sont demandeurs de manger bio, eh bien, et que les coûts de production sont couverts, eh bien, on le fera, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'aujourd'hui, même, on a déjà dit souvent, par rapport même à la recherche de Jean-Loup, les agriculteurs aujourd'hui sont même plus forts, je vais dire, sur le plan environnemental que ce que propose la recherche belge, parce qu'eux, ils sont encore à essayer de nous fournir des produits phyto. Et il faut savoir quand même que la Belgique est le plus gros pays exportateur de produits phyto. Donc, et ça, c'est peut-être un problème européen. Quand on dit que notre ministre, on emploie pour les néonicotinoïdes en betterave, alors que c'est un produit qui est interdit par l'Europe depuis 2018. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose de se dire, de stopper un peu la grosse machine de cette grosse industrie de produits phyto hein, qui crée de l'emploi, qui crée et qui est dans un système qu'on a toujours connu et que ça, on ne peut peut-être pas trop réduire, quoi. Posez-vous la question. Merci. I would like to ask you, what do you expect from the meeting tomorrow with von der Leyen, this start of the dialogue, strategic dialogue on the future of agriculture? Do you expect any kind of concession, any kind of change in the common agriculture policy? Or what do you expect of this new dialogue with the sector, and I don't know if you expect that the Commission will be more open to listen to the farmers now, months ahead of the European elections. Thank you. Alors, du coup, j'allais répondre en anglais. Ce qu'on attend, on sait déjà qu'il y a une rencontre qui est prévue le 1er février au niveau de la Commission avec un conseil rassemblant l'ensemble des présidents des États membres. Je pense qu'ils vont être amenés à réfléchir à une réelle simplification de cette politique agricole commune, à une réévaluation des conséquences qui commencent à être perceptibles
en termes de souveraineté alimentaire en Europe. De nombreux rapports ont déjà été écrits, lesquels démontraient les déficits en termes de production pour l'Europe, à savoir un équivalent de 35 millions d'hectares de production pour assurer la souveraineté européenne. Donc ces 35 millions d'hectares se réduisent à 28 millions parce que bien sûr vous avez du café ou d'autres productions qu'on ne pourra pas produire. Des rapports ont été faits par les États-Unis et d'autres organisations qui disaient bien que le Green Deal, cette politique-là, allait nous emmener vers une réelle décroissance. Et aujourd'hui, elle est tellement palpable qu'ils sont obligés de revenir dessus. Ils vont être obligés de réfléchir réellement à l'orientation prise qui semble pour nous au moins visible. C'est la destruction de l'agriculture à l'ouest de l'Europe pour la délocaliser vers l'est. On voit bien ces discussions ou ces avancées pour demain intégrer l'Ukraine à l'Europe. C'est presque nous faire comprendre que oui, nous avons trop d'animaux, nous avons... Finalement, on se demande si on a encore notre place. Et c'est pour ça que des mouvements comme celui qui est présentement en place et qui s'amplifie sont importants. Parce que l'agriculture telle qu'on la produit aujourd'hui, elle a un avenir, elle a de l'avenir. Il suffit juste de trouver les bonnes politiques de transmission, parce que c'est certainement le cas partout. J'entends Roberto, c'est compliqué d'avoir des jeunes générations, parce que nous avons des systèmes fiscaux, des systèmes où pour installer nos jeunes, eh bien il faudrait presque vendre un tiers de l'exploitation pour payer les droits. Donc, en un siècle, si vous avez passé trois générations, vous avez laissé à l'État l'équivalent du prix de l'exploitation. Donc à un moment, tout ça c'est à reprendre en considération si on veut une agriculture détenue par des agriculteurs identifiés ou si la place sera aux coopératives, à des grands groupes. En tout cas, nous autres à la coordination, on s'est positionné pour dire que la financiarisation de l'agriculture n'a pas sa place et que tous les moyens politiques, économiques, fiscaux doivent être trouvés pour que justement l'agriculture dans nos fermes françaises, on ait encore des paysans français. On voit nos châteaux malheureusement qui partent entre les mains des Chinois et je pense que là ça interpelle parce que cette production elle ne sera peut-être même pas destinée à la consommation locale. Et que si vous avez quelqu'un qui est venu de l'extérieur, il ramènera peut-être dans son pays d'origine ses produits produits dans cette exploitation. Donc c'est une question de... C'est juste une question de bon père de famille et de bon gestionnaire, hein, de savoir ce qu'on veut. Et si encore plus grave, Véronique a dit, le projet peut être une... trasformazione dell'agricoltura dall'ovest all'est, ma è ancora più grave se la sostituzione radicale dei prodotti naturali che gli agricoltori fanno con i prodotti creati in laboratorio, con i prodotti chimici. E on peut dire che ça peut être une réalité. Industrie, quelques multinationales a commencé à créer du lait artificiel, à la viande artificielle, et ça, c'est encore plus grave pour nous. Merci. Et je crois aussi pour la Belgique, au fait, la nouvelle PAC, nous restreindre de 4% de notre emplacement sur place agricole, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, le prix du foncier a fait x4 en Belgique. Donc quand on voit que ce sont même nos industriels qui s'accaparent nos terres, et ça monte quelquefois jusqu'à 100 000 euros d'hectare, alors il faut se poser des questions de savoir si un jour il y a encore une exploitation à remettre, si ce n'est pas justement les industriels qui vont pouvoir acheter cette exploitation. Parce que le nombre d'agriculteurs est en train de diminuer, qu'on coûte chacun, par contre la production de lait elle est encore en augmentation. Donc on va vraiment dans un système hyper industrialisé,
Et moi, je ne conçois pas que la ferme est égale à une industrie. Merci. Merci. Sophie Dupuis pour le Média Français Contexte. Merci pour cette conférence de presse. J'ai deux questions. Encore une sur le Green Deal. On entend effectivement beaucoup de critiques contre le Green Deal, contre la stratégie de la ferme à la table, qui est son volet agricole. Comment vous expliquez que le Green Deal cristallise autant de critiques, alors qu'au final, le volet agricole n'est pas encore vraiment mis en place? On n'a pas encore la législation sur les pesticides, voilà, les législations sur le bien-être animal aussi été reportées. Voilà, comment vous pouvez expliquer que des législations qui ne sont pas encore appliquées inquiètent autant? Et ensuite, sur les demandes de régulation des marchés que vous formulez à la Commission, est-ce que c'est pour la prochaine réforme de la PAC ou c'est dès maintenant que vous demandez d'amender le règlement sur l'organisation commune des marchés? Merci. Regarding the market responsibility program, yes, we want to apply for the next CAP, but we also want some of the measures to be changed now. It's not a big problem. They can open these parts, the example on the that it has to apply to co-ops, one of the things that could be possible. Regarding Green Deal, it's correct that it has not been fully implemented, and I do believe that they themselves in the Commission and the EDP agree, they realize that it's not that easy, and especially not that easy when the money is not there. The farmers do not have the money to do it. It takes money to change, so that would be necessary, and it all comes back to that it has to be cost covering. And as Willy said earlier, if there's a market for organic, I do believe a lot of us go organic. I've been organic farming in Denmark for the last 35 years. But at the moment, organic production in Denmark is rapidly declining because the consumers is not there anymore. They are going for cheaper products. So this is also a question of affordability. And I do believe that it's possible. The consumers can afford even organic products, but we need to look at the chain of value. And if you look at that, even the Commission made a study here recently that during the inflation, where prices rose dramatically in the stores, so even people stopped drinking milk on that behalf. It's quite funny. Water is often more expensive than milk, so why stop drinking milk? But but they look into the value chain, even though that if we look just at 2022, milk production was quite good. The price was the best in maybe 30 years. So then you would say that the farmers were the ones that gained the most, but it wasn't. If you look at the rest of the value chain, if you look percent-wise, then the dairies, the stores, everyone else in this value chain got a higher revenue than the farmers. And this, I think we have to look into also, that farmers, as I said, we are price takers, and this has to change, and we have to change that through, if you are a worker, you would look at it as working deal, so you know what you get per hour when you are working, and now here we just want to know what we get for our milk, and that it covers our costs. One of the things that we might get with speaking with the Commission, they know and have realized the problem that young people do not go into business farming because there's no perspective in it. So people say, why should I work 7 days a week, maybe 10, 12 hours a day,
and then get half of what my colleagues are doing, and they just work maybe 4 or 5 days. This is a real issue, and this have gone through the thick walls. They know that this is a problem. Young people do not want to go into farming. Véronique can continue. Alors, je vais compléter sur le Green Deal. Dans le Green Deal, on a quand même le carburant. Et le carburant, c'est aujourd'hui ce qui rassemble des agriculteurs dans beaucoup de pays, l'Allemagne, la Roumanie, ici et là. Mais cette décision de transition aujourd'hui du carburant qui nous a été vendu en 2005 lors des accords de Kyoto comme étant le nouveau carburant qui s'inscrivait dans la transition écologique, aujourd'hui est déjà périmée. Donc on nous dit qu'il faut déjà évoluer, donc il faut taxer davantage pour qu'on en consomme moins, peut-être, mais c'est comme les solutions phytosanitaires. On veut nous retirer des molécules alors qu'on n'a pas la solution de substitution. Et là, pour le carburant, on comprend bien qu'il faille aller vers des biocarburants. Mais avec quoi on fait des biocarburants? Avec des colzas? Des colzas, tout à l'heure je vous parlais de balance commerciale. La France, en 2023, c'est un déficit en huile végétale, corps gras, de près de 2,5 milliards d'euros. 2,5 milliards d'euros. Ça veut dire que si demain on fait plus de biocarburants pour nos tracteurs, et peut-être même plus, on va devoir encore on va consommer des huiles qui viendront d'ailleurs. En fait, ce qui n'est pas clair avec l'Europe, et pourtant ça s'inscrit certainement dans un plan qui ne nous est pas dévoilé, mais ce plan est peut-être dramatique, et c'est bien tout ça que nous autres, syndicalistes, représentants dans des organisations laitières et autres, que l'on doit anticiper et surtout faire en sorte que le pire n'arrive pas. Bonjour, Pierre Larouturou, député européen, rapporteur général du budget. Et je fais l'agro et j'ai travaillé très longtemps avec Michel Rocard, qui fut le ministre de l'Agriculture qui a régulé les prix. Donc je voulais vous dire qu'ici, on est très nombreux à vous soutenir. Et je suis venu pour dire que toutes vos revendications sont tout à fait légitimes. Comme économiste, j'utilise souvent un graphique qui montre comment ça, c'est le revenu des agriculteurs, et par contre, ce qu'on achète quand on est un client, quand on veut acheter du pain ou du lait. Donc on voit comment le revenu des agriculteurs s'est effondré alors que les clients continuent à payer. Mais ça n'est pas une fatalité. Vous voyez que pendant très longtemps, jusqu'à la révolution libérale, c'est les chiffres officiels, le prix payé aux agriculteurs et le prix des consommateurs allaient exactement dans le même sens. Donc il y a un moment où l'Europe a protégé le revenu des agriculteurs. Quand en 84, on a mis en place des quotas laitiers, quand tu parlais de volume et d'un prix rémunérateur, il n'y avait pas de subvention. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir des subventions, c'est de vivre de son travail sur un territoire qu'il aime. Et à part dans les zones de montagne, il n'y avait aucune subvention. Mais pendant 30 ans, on a protégé le revenu. Chaque année, on voyait le volume de lait, de fromage, de poudre de lait. On se les répartissait et ça a marché pendant 30 ans. Et puis il y a eu des décisions politiques en 2005 de foutre en l'air ces outils en disant le marché va s'autoréguler. Et donc Véronique Lavie, ça fait 5 ans qu'on est dans une crise gravissime. Moi, je me souviens en 2017, une femme qui s'est pendue dans sa salle de traite dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, une femme qui s'est pendue parce qu'elle n'en pouvait plus. Et il se trouve que j'y pense très souvent. J'imagine vraiment, comme j'ai fait 3 mois avec un agriculteur, et tous les matins, j'étais dans la salle de traite, et j'imagine que cette femme s'est pendue parce qu'elle n'en pouvait plus, et tous les jours, son mari et ses enfants, parce que la vie continue, mais ils rentrent dans la salle de traite, et ils se disent, c'est ici que maman s'est suicidée, c'est ici que ma femme s'est suicidée. Donc ça fait 5 ans, vous avez parlé de la décapitalisation, ça fait 5 ans qu'on est dans une crise très grave, et je suis très heureux de cette colère qui monte. Je suis très heureux, plutôt que chacun reste chez soi en burn-out, ou à penser au suicide, ou à se dire mes enfants ne reprendront pas la ferme, ça n'est plus possible, je suis très heureux qu'il y ait une colère, c'est dramatique, une femme soit morte dans le sud de la France, c'est appuyé aussi, mais c'est très utile qu'on vienne secouer le cocotier et dire on ne peut pas continuer comme ça, il n'y a aucune fatalité. Je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, et bien dans le New Deal de Roosevelt, depuis 1936, on protège le revenu des agriculteurs aux États-Unis tous les mois. C'est pas du pipeau, c'est pas du théorie, c'est pas parce qu'on a
trois copains qui boivent un verre ensemble et qui... Non, depuis 1936, tous les mois aux États-Unis, on calcule les coûts de revient pour faire du lait, et tous les mois, on dit quel est le prix du lait en dessous duquel on ne peut pas tomber. Donc oui, il y a des solutions pour des prix rémunérateurs. Sur la question du climat, déjà, j'avais été invité il y a 10 ans par la coordination paysanne, et il y a 6 ans par la FNSEA des terres de Gilles. Oui, les paysans sont les premiers concernés quand on perd 30% de la récolte de céréales avec des inondations en Belgique et en France. Oui, les paysans ne sont pas stupides, ils voient le réchauffement climatique, mais il y a besoin des aides. Il y a besoin de prix rémunérateurs et des aides spécifiques pour la transformation. Et donc le Parlement européen se bat, je suis rapporteur général du budget, donc je m'exprime ici, j'ai peut-être une petite compétence. Il y a 3 ans, on a voté un rapport pour dire on a besoin de centaines de milliards pour aider nos agriculteurs à se transformer. Il faut une taxe sur la spéculation. Ce n'est pas en augmentant le prix du gasoil. La solution, ce n'est pas le prix du gasoil. C'est une taxe sur les marchés financiers, c'est une taxe sur les rachats d'actions, ce que Joe Biden a fait. Donc il y a des solutions. Je veux pas être trop long, mais on est complètement avec vous. Il est crucial d'avoir des mesures d'urgence. Tu l'as dit, en Espagne, Pedro Sanchez a bloqué le prix de l'énergie. Il a mis en place une loi qui protège le revenu des paysans. Il a mis en place une taxe sur les super profits des banques pour trouver de l'argent. Sanchez, il a augmenté le prix du gasoil. Il a mis en place une taxe sur les super profits des banques. Et voilà. Donc je crois qu'il y a des solutions de court terme. Et puis, il faut une vraie réforme de la politique agricole commune. Mais sachez qu'on est avec vous, qu'on n'est peut-être pas très nombreux parce qu'il y a plein de réunions en même temps, mais que votre colère est tout à fait légitime et que ce que vous proposez est tout à fait légitime. Je voudrais juste compléter quand même par rapport au Green Deal et toutes les politiques et tout ce qui va en fait autour de l'environnement et qui finalement est une surtransposition de plans, de règlements. Il y a un point dedans qui fait quand même peur parce que quand on regarde le projet de loi sur la restauration de la nature, comme les déclinaisons françaises pour justement utiliser moins de produits phytosanitaires, on voit à chaque fois, on peut y lire la possibilité pour les États membres d'acheter ou de préempter le foncier. Ça veut dire que si les États achètent le foncier, c'est aussi pour le retirer de la production. Ça aussi, c'est de la décroissance. Il faut aussi nous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas en le noyant dans des rapports qu'on est obligé de lire et qui font des pages et des pages. Derrière cette politique de la restauration de la nature, on voit un budget de 154 milliards d'euros qui est inscrit sur le site de la Commission. On se dit 154 milliards, mais finalement, quand on compare ça à la politique agricole et à ce qui revient aux agriculteurs, finalement, est-ce que la politique agricole, c'est pas qu'une goutte d'eau parce qu'il y a à côté de la production ? Il y a des personnes qui travaillent. On sait pourquoi on dépense cet argent pour que le consommateur, comme l'a montré Pierre, le député, on a ce bénéfice ou ce retour pour les consommateurs qui ne payent pas plus cher. Bonjour, Emmanuel Huet pour le quotidien Lundi. J'ai une question concernant plutôt la PAC. On voit que d'une PAC à l'autre, on peut imposer parfois tout et son contraire, ou presque son contraire. Il n'y a pas toujours de la continuité dans la PAC. Seriez-vous preneur d'un modèle ou d'une PAC plutôt sur 10 ans que sur 3-4 ans, afin de stabiliser un peu le modèle et permettre aux agriculteurs, enfin, peut-être en train de répondre à votre question, d'avoir une vision un peu plus longue, comment est-ce que vous voyez les choses? Bon, moi je trouve vraiment que c'est clair qu'on ne demanderait pas mieux d'être beaucoup plus dans la durée. Pourquoi ? Parce que finalement, nous, on est vraiment des pantins dans l'histoire. Parce que toutes les données, toutes les PAC changent, même les données au niveau européen changent également. Et l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va emprunter pour 30 ans, et après on se rend compte que 5 ans après, tout est changé. Quand on regarde ce qui s'est passé en Hollande, les jeunes aujourd'hui en Hollande, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a libéralisé la production laitière, puis ils ont fait des nouvelles étapes en 2016, puis on a surproduit, on était donc les 400 000 tonnes de poules de lait qu'on a eu sur le dos, c'était 2016-2017, et après ces gens-là, maintenant ils sont hyper coincés, pourquoi? Parce qu'ils ont des excès d'azote et tout, donc il faut aussi se mettre à la place du jeune qui a investi, et après qu'il se retrouve sur la paille, pourquoi? Parce qu'on lui a demandé de produire plus, et alors qu'aujourd'hui les grands joueurs comme Arlan ou bien d'autres grands groupes laitiers ou quoi, redonne une prime pour les gens qui vont remettre leur vache en prairie.
Non, mais ça, si c'est pas du foutage de gueule dans l'expression, c'est tout à fait ça, quoi. Parce que nous, on est vraiment des pantins, quoi. Et c'est clair que changer une PAC tous les 5 ans ou quoi, ça n'a pas de sens. Merci. Alors, vite fait, pour nous, le syndicat coordination rurale, c'est des primes à des primes, et cette PAC-là, elle est toute à revoir et on s'en passerait bien. On aimerait être payé par les industriels. On l'a dit hier à Gabriel Attal, notre Premier ministre, qu'un vrai contrôle de nos multinationales qui, justement, font de la délocalisation de profits serait certainement plus profitable. Parce que quand on voit la valorisation du lait ou de la tonne de lait en France, qui est jusqu'à 500 euros plus cher que chez Cartian au Danemark, on se demande où vont ces 500 euros 1000 litres. Hein. Donc ça, si on pouvait se passer de la PAC, ça serait très bien, il n'y a plus de question de durée. Ensuite, par contre, il nous faudrait quand même un volet commun qui serait certainement à réfléchir autour de la réserve de crise. Parce qu'aujourd'hui, cette réserve de crise, même s'il y a eu une évolution, c'est 430-450 millions d'euros annuels et qui sont utilisables ou reportables. On se rend compte que finalement, ils seront très vite insuffisants. Et c'est peut-être cette enveloppe-là et le deuxième pilier qu'il faudrait consolider pour faire face à toutes les crises sanitaires, aléas climatiques et autres que nous allons tous vivre à des moments différents. Et à ce niveau-là, l'Europe a toute son utilité pour le renouvellement des générations aussi et pour justement peut-être ce qu'on fait déjà, mais de l'écologie à notre manière et non pas imposée et contrôlée. Et surtout pas contrôlée par satellite parce que ça devient, c'est du n'importe quoi. Ok, time is running when you are together with clever people. If there's a last question, you'll take it. Otherwise, I can invite you to ask us questions after here, or interviews, or to go outside. He has parked his tractors out there, so you can get some nice photos. They're now past Luxembourg already. The tractors, yeah. They move fast. Okay, that's good. So thank you for